Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière, c'est juste que j'étais malade, donc je pouvais pas en sortir. Même là, au moment où je vous parle, je suis encore malade, donc j'ai un peu la voix enrhumée. Mais bon, ça s'arrange petit à petit. D'autant que au moment où je vous parle, c'est la veille de la rentrée, donc j'essaie de faire un maximum de vidéos parce que pendant les cours, ça va être difficile d'en tourner. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul sol 2017. Donc je vais vous montrer les vêtements que j'ai achetés pendant les soldes d'été de 2017. Comme je suis un gars trop logique, j'ai acheté des bonnets pendant les soldes d'été de 2017. Donc j'ai acheté un lot de deux bonnets pêcheurs, c'est comme ça que ça s'appelle, un lot de deux bonnets pêcheurs qui viennent de chez Asos à 4,49€. Donc un bordeaux et un noir. Classique, hein, ça va avec tout, c'est pratique. Enfin, peut-être pas le bordeaux, mais enfin, c'est une touche de couleur et le noir, ça va avec tout en hiver. Ensuite, j'ai acheté deux écharpes. Donc, cette fois, c'était séparément. J'ai acheté cette écharpe à 13,99€ sur Asos. Donc, c'est une écharpe noire, grosse maille. Plutôt épaisse ou elle est lourde. Elle tient, je crois qu'elle tiendra bien chaud en hiver. Je ne l'ai pas encore testée. Ben, on n'est pas encore en hiver, on est encore en été. Hein. Et cette écharpe qui faisait partie d'un lot bonnet écharpe, c'était à 11,99€ le lot. J'ai retourné le bonnet parce que le bonnet ne me convenait pas et j'ai gardé l'écharpe. Non, c'était 15,99€ le lot bonnet écharpe. Voilà, 15,99€ sur Asos. Donc c'est du gris clair. Gris clair limite blanc, j'aime beaucoup. J'ai acheté aussi ce jean de chez H&M, je l'ai acheté pour 19,99€. À la base, il était à 34,99€, donc ça fait une bonne réduction. C'est une coupe banale, hein, c'est sa taille normalement. C'est une coupe banale, une couleur banale, des motifs banals puisqu'il n'y a absolument aucun motif pour un mec banal. Des tenues banales hein, pour une vie banale, voilà. Tout ce qui est banal. J'aime beaucoup ce jean. Ensuite, j'ai acheté ce bomber de la boutique officielle. Et c'est de la marque John H. Je l'ai acheté en noir, je le trouve vraiment lourd et puis il est vraiment bon. La coupe, elle est vraiment parfaite, ça s'arrête bien au niveau de la taille. Donc ça va pas plus bas. Et je me sens vraiment bien dedans, enfin ça il faudra le porter pour le sentir, mais je me sens vraiment bien dedans. Il maintient bien les bras, enfin je veux dire il est pas trop loose, il est pas trop serré non plus. Il est vraiment parfait, le seul truc que je comprends pas c'est pourquoi c'est détachable à ce niveau là. Bon, ça me dérange pas, hein, je m'en fiche un peu, mais j'aimerais juste comprendre pourquoi ça se détache ici. Voilà, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire. Je l'ai eu pour 30€, ouais pour 30€, et à la base il était à 59,99€, donc ça fait quand même une bonne réduction de 50%, donc je suis très content. J'étais trop content quand j'ai vu le prix. À la base j'avais pas prévu de l'acheter, hein, mais j'essayais de respecter la wishlist que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, mais bon, j'ai pas trop respecté, donc voilà. Et enfin, l'achat dont je suis le plus fier, c'est ce jogger pant camouflage qui vient de Macamod, donc c'est de la marque John H. Je l'ai eu à 29,99€, livraison comprise, donc je suis vraiment très très content. Je pense qu'il est aussi disponible sur la boutique officielle, mais c'est à des prix vraiment plus élevés, quoi. Voilà. Donc si vous voulez acheter un jogger pen camouflage, je vous conseille quand même Macamon, même si j'adore la boutique officielle aussi, mais c'est mieux sur Macamon pour le coup. Et je suis vraiment content parce que c'est quand même un pantalon de la marque John H. Et la dernière fois que j'en avais acheté un comme ça, il taillait un peu plus haut, enfin un peu trop court. Bon, je me suis habitué, finalement j'en ai fait un style, mais enfin c'était pas ça que je voulais à la base. Mais là il arrive vraiment au bout, il arrive vraiment aux chevilles, donc c'est vraiment nickel. Je suis très content. Donc ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quel article vous avez préféré, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous avez acheté pour les soldes aussi, c'est intéressant aussi de savoir. Aussi concernant les questions ask que je vous avais demandé de me poser sur mon ask, s'il vous plaît ne m'envoyez plus sur mon ask en fait, parce que j'y vais pratiquement jamais. Et parce qu'en fait je vous explique, j'ai pas du tout installé sur mon téléphone. Par contre, j'ai Snapchat, Insta et Twitter, et Facebook aussi, évidemment. Donc, si vous voulez m'envoyer des questions, envoyez-moi plus sur Snapchat ou Instagram, parce que je suis plus actif là-dessus. Je m'étais trompé, d'ailleurs, dans certaines de mes vidéos, parce que j'avais changé mon écran de fin. Mon Snapchat, c'est pas Quentin Original, c'est Quanté Original. Bon, j'ai modifié, là, à la fin, pour cet écran de fin. Donc, il n'y a plus de soucis. Mais c'est mon Snapchat, c'est Quanté Original. Mais ne m'envoyez plus des questions sur Ask, j'y vais pratiquement jamais, donc ça sert à rien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchoussa!